monde, alors aujourd'hui je vous présente le quatrième tome de la saga Beautiful Sex Bomb écrit par Christina Loren. Donc si vous êtes ici c'est que vous avez lu les trois premiers tomes ou sinon je ne peux pas en parler, ça serait un petit peu dommage. Donc dans celui-ci on retrouve nos quatre personnages principaux, Bennett, Chloé, Sarah et Max, qui se retrouvent tous à Las Vegas pour l'enterrement de vie de garçon de Bennett. Et Chloé va lui réserver une petite surprise, elle va vraiment bien le frustrer, le mettre à bout. J'ai trouvé ça magique. Comme quoi une femme peut avoir le pouvoir sur un homme. Je trouve ça sublime. Encore une fois, on s'emmerde pas avec cette saga. Voilà, il est très très court. Il fait vraiment rien. 130 pages plus ou moins, donc ça se lit très très vite. Et je pense qu'il n'y a que 7 chapitres, mais vous avez quasiment une scène de sexe dans chaque chapitre. Alors ça c'est merveilleux, mais l'auteur est une génie pour ça. Je ne sais pas comment elle fait pour se renouveler, pour pas faire qu'on s'emmerde, parce que voilà, ils font tout le temps, mais au final ça passe à chaque fois. Enfin moi je suis à chaque fois épatée de comment fait cet auteur pour pas avoir de répétition, pour que ce soit toujours aussi original. Voilà, que ça nous fait toujours rêver des scènes comme ça, fabuleuses. Ce que j'ai adoré dans le bouquin, c'est que fatalement, vous avez les deux couples. Et là, je me rends bien compte que mon couple préféré, c'est Bennett et Chloé. Là, j'en suis sûre. Enfin, à chaque fois, je me répète, mais c'est toujours eux. Parce qu'ils s'aiment, mais c'est tellement beau. Enfin, Max et Sarah, j'avais complètement oublié qu'ils étaient très exhibitionnistes sur les bords. Hein. Ils aiment bien le faire et qu'on les regarde. J'avoue que je suis pas trop dans ce délire-là. Donc, c'est vrai que Chloé et Bennett... Oh, mais... couple chouchou, enfin, je n'ai qu'une hâte, c'est lire la suite, voir leur mariage, leurs enfants, enfin... Enfin, moi, cette saga peut continuer des années et des années, je pense que je serai toujours accro. Donc voilà, si vous avez toujours pas lu cette saga, on est déjà au quatrième tome, le prochain sort en juin, allez-y, une saga érotique qui vaut le coup, qui tient la route, qui est pas ennuyant, voilà. Les filles, foncez, c'est de la bombe! Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, salut! Sex bomb. Non, pas sex bomb. sex bomb, oh my sex bomb. C'est pas possible. De Christ... de Betty Penny.